incroyable, comme un jour je parle de la maman à bras rose et là on a une bonne femme qui déboule, qui traverse le cercle en peignoir rose et qui vient nous donner une vieille pièce de la RDA de 1950, qui repart comme un fantôme. Des gens des fois qui arrivent comme ça, des contrepoints, des Juliettes au balcon, des... Voilà, la vie en fait. Le plus beau souvenir c'est quand la vie continue au milieu de ce marasme. Mais ça fait rien, malgré le froid, malgré que je sois sans domicile, je suis content de faire ta connaissance. Bon, c'était super et super marrant. Le cadre pour jouer là-dedans c'était vraiment parfait, hyper approprié au spectacle et ça donne envie de continuer jusqu'à ce qu'il y ait un meilleur souvenir qui remplace. Oh plutôt que de m'émotionner avec toutes sortes de mots, vous feriez mieux d'aller danser. J'ai beaucoup apprécié déjà de déambuler, ça j'aime bien en art de rue. Il y a des très bonnes trouvailles et j'ai beaucoup apprécié. J'étais content de voir enfin cette compagnie. De salade frisée à consommer sur place et sans modération. Bon appétit. Le CSA nous interdit de parler d'alcool pour reparler de la garue, c'est surtout pour signaler que... Le meilleur souvenir c'est quand même peut-être la toute première prise d'antenne quand même. La première fois où on a lancé le son et qu'on était à l'antenne, et c'était il y a un an ici au Festival d'Olt, devant chez Mario. Et là, la première fois qu'on a entendu claquer le jingle de Radio Bicarbonate dans les rues du Blémar. Les bons souvenirs c'est devant les spectacles, de se poser 5 minutes et de dire oh, on a organisé tout ça, il y a tout le monde qui est là. On apporte du rêve aux gens et un bon moment à partager ensemble. Il y a une qualité d'accueil, une qualité d'organisation, d'entraide, enfin, de plein de choses qui a l'air vraiment ultra classe. Enfin, ouais.